Aujourd'hui, une vidéo pour répondre à une question souvent posée par les élèves de 3e qui rentrent au lycée. Que doit-on réviser pour préparer au mieux son entrée en classe de seconde concernant les cours de français? Donc cette vidéo va vous proposer une suite de notions à réviser ou en tout cas à connaître pour être à l'aise dès le début de l'année en classe de seconde en cours de français. Une des choses les plus importantes, c'est la culture littéraire que vous avez acquise pendant vos 4 années de collège. Il est nécessaire que vous sachiez situer les auteurs dans leur siècle et que vous connaissiez leurs œuvres parce que vous les avez lues, fréquentées, étudiées lorsque vous étiez au collège. Généralement, en classe de 6e, vous avez beaucoup travaillé sur les auteurs de l'Antiquité. Quelques exemples vous sont proposés, donc d'auteurs de l'Antiquité à connaître. Vous avez notamment Homère, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, donc l'Iliade, les aventures d'Achille pendant la guerre de Troie, et l'Odyssée, les aventures d'Ulysse, qui essaie en vain de rentrer à Ithaque. Vous avez peut-être également étudié les métamorphoses d'Ovide, ou encore découvert les premiers fabulistes de l'Antiquité avec Ésope, puis Phèdre. Vous avez également rencontré en classe de 3e Sophocle, qui a écrit Antigone. En 5e, vous avez surtout travaillé sur la période historique et littéraire du Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge est associé en littérature au roman de chevalerie avec l'auteur Chrétien de Troyes, quelques romans de chevalerie, par exemple Yvain le chevalier au lion, ou encore Lancelot le chevalier à la charrette, Perceval, etc. Certains d'entre vous ont aussi découvert les laits de Marie de France, comme le Bisclavré, cette histoire d'homme qui se transforme en loup-garou. On arrive ensuite au XVIe siècle, qui est plutôt étudié en classe de 5e et de 4e, avec notamment un auteur de poésie qui est Joachim du Bellay et son fameux « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ». Au XVIe également, nous avons Pierre de Ronsard avec plusieurs poèmes fréquemment étudiés au collège. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclos sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vesprée et les plis de sa robe pourprée, etc. Ou encore, quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle assise auprès du feu, dévidant et filant, dirai chantant mes vers en vous émerveillant. Certains d'entre vous ont également rencontré sur leur parcours littéraire la poétesse Louise Labbé avec son sonnet « Je vis, je brûle, je meurs et je me noie ». Le XVIe siècle est aussi le siècle de Montaigne que l'on découvre notamment avec des extraits des essais. Enfin, le XVIe, c'est aussi, en Angleterre, le siècle de William Shakespeare, dramaturge, auteur de la pièce « Roméo et Juliette ». Nous arrivons au XVIIe siècle, siècle dit du classicisme, avec des auteurs découverts tout au long de votre parcours scolaire. En 4e, vous avez rencontré le Cid, écrit par Pierre Corneille, une tragicomédie racontant et mettant en scène les amours compliqués de Rodrigue et Chimène. Durant ces 4 années de collège, les fables de Jean de La Fontaine vous ont accompagné, que ce soit Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi, mais encore des fables plus compliquées comme Les animaux malades de la peste, les obsèques de la lionne, etc. Le XVIIe siècle, c'est aussi le siècle de Molière, avec de nombreuses comédies, comme Les fourberies de Scapin, Le malade imaginaire, L'avare, Le médecin malgré lui. En 6e, vous avez également lu des contes de Charles Perrault, auteur du XVIIe siècle, Cendrillon, Le petit chaperon rouge, Les fées, etc. Nous arrivons au XVIIIe siècle, le siècle dit des Lumières, le siècle de l'encyclopédie et des philosophes des Lumières. En 4e, généralement, on découvre la pièce de Marivaux, L'île des esclaves, mais aussi des extraits des lettres persanes de Montesquieu, la fameuse lettre K
qui parle des caprices de la mode. Au XVIIIe siècle, toujours, nous avons Voltaire et certains extraits de Candide, notamment l'épisode du nègre du Suriname. Et enfin, Jean-Jacques Rousseau, que l'on étudie à travers ses Confessions, texte autobiographique. Le XIXe siècle est le siècle de nombreux auteurs. Nous allons commencer par les poètes les plus connus, avec des textes que vous avez forcément rencontrés. Charles Baudelaire et ses Fleurs du Mal, que ce soit le texte L'Albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ou encore à une passante. Vous vous souvenez sans doute du jeune Arthur Rimbaud, de son poème roman On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ou encore Le Dormeur du Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit, c'est un petit val qui mousse de rayons. Parmi les poètes du XIXe siècle, nous avons également Paul Verlaine et ses sanglots longs des violons de l'automne qui blessent mon cœur d'une langueur monotone. Victor Hugo également. Donc Victor Hugo n'était pas que poète, mais s'est illustré par certaines de ses poésies que vous avez pu rencontrer durant vos années de collège, notamment le fameux poème dédié à la mort de sa fille Léopoldine, Demain dès l'aube. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. On ne peut pas parler de Victor Hugo sans évoquer l'œuvre magistrale que représentent Les Misérables, avec les aventures de Jean Valjean, de Cosette, de Marius, de Gavroche. Dans les romanciers du 19e, nous avons Honoré de Balzac, qui est un professionnel, on va dire, du texte description. Vous étudiez parfois souvent au collège la description de la pension Vauquer dans Le Père Goriot. On arrive bien entendu au roi de la nouvelle réaliste et fantastique, Guy de Maupassant. On se souviendra notamment de la nouvelle Le Horla. Toujours au XIXe siècle, nous avons Émile Zola avec certaines de ses nouvelles qui sont étudiées au collège, comme Victime de la réclame ou encore À quoi rêvent les pauvres filles. Jules Verne et ses romans d'anticipation, comme Le Tour du monde en 80 jours, avec Phileas Fogg et Passepartout, ou encore 20 000 lieues sous les mers avec le capitaine Nemo. Au 19e toujours, nous avons Gustave Flaubert et sa fameuse Madame Bovary, ou encore la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, avec la fameuse tirade du nez. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. À la même époque, de l'autre côté de la Manche, nous avons Lewis Carroll et son très connu Alice au pays des merveilles, ou encore Bram Stoker et Dracula. On aurait pu ajouter à cette liste Mary Shelley et son roman Frankenstein. Nous arrivons à présent au XXe siècle et à notre époque, l'époque contemporaine. Il y a donc Colette qui a donné son nom à notre collège, mais aussi Guillaume Apollinaire avec ses fameuses lettres à Lou. Il est également connu pour ses calligrammes ou encore pour le très célèbre Pont Mirabeau, sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. En classe de troisième, vous avez découvert Jean Anouilh et Antigone, ainsi que les poètes dits de la Résistance, parmi eux Louis Aragon. On se souviendra de La Rose et du Réséda, de celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, ou encore des strophes pour se souvenir dédié aux résistants du groupe Manouchian.
Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Toujours dans les poètes de la Résistance, il y a René Char et ses feuillets d'hypnose, Paul Éluard que nous avons fréquenté avec plusieurs poèmes, dont le très célèbre Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les armes, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom, etc., etc. Vous vous souvenez sans doute aussi du poème Courage. Paris a froid, Paris a faim, Paris ne mange plus de marrons dans la rue, Paris a mis des vieux vêtements de vieille, Paris dort tout debout sans air dans le métro, plus de malheur encore est imposé aux pauvres, et la sagesse et la folie de Paris malheureux, etc. Parmi les poètes de la résistance du XXe siècle, il y a également Robert Desnos, avec un texte très célèbre, Ce cœur qui haïssait la guerre. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, etc. Le XXe siècle est marqué par le journal d'Anne Frank, qu'elle écrit durant sa captivité en Hollande, durant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons également rencontré un artiste aux facettes multiples, écrivain, romancier, trompettiste, Boris Vian, avec son texte Le Déserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous en avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre, etc. Vous vous souvenez sans doute de la chanson de Boris Vian intitulée La complainte du progrès? Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour, pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Aujourd'hui, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille, ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer, etc. Et l'on n'oubliera pas le roman qui est assez atypique de Boris Vian, L'écume des jours, qui raconte les aventures et surtout l'histoire d'amour de Colin et Chloé dans un monde complètement décalé et onirique. Au 20e, toujours Jacques Prévert, avec le poème très célèbre du Cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout, etc. Vous avez également étudié le poème Barbara. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, etc. Nous avons également rencontré le poète et écrivain Raymond Queneau avec ses fameux exercices de style. Mais aussi le poème Si tu t'imagines, si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va durer toujours, la saison des as, la saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, ce que tu te gourres, donc qui est une reprise du Carpe Diem de Ronsard. Toujours au 20e, Georges Perec et son récit autobiographique W ou le souvenir d'enfance, ou encore son roman L'hypogrammatique, La disparition, qui est donc un roman qui ne comporte pas aucune fois la voyelle E. Dans le cadre de l'autobiographie, nous avons rencontré Michel Léris dans L'âge d'homme avec l'épisode de la gorge coupée de l'opération des amygdales, mais également Romain Gary à travers La promesse de l'aube. Toujours au XXe siècle, cette fois-ci en Angleterre, George Orwell avec La ferme des animaux, 1984. Dans les récits d'anticipation, Aldous Huxley pour Le meilleur des mondes. Dans un univers encore différent, le 20e, c'est l'époque de Tolkien et de la saga du Seigneur des Anneaux. C'est aussi une époque où l'on a vu l'arrivée de J.K. Rowling et de sa saga Harry Potter.
Et puis en France, nous avons notre Franck Pavlov avec Matin Brun. Donc avoir une culture littéraire est extrêmement important pour réussir au lycée. Mais il faut aussi connaître les genres littéraires. Tout d'abord, le récit. Dans le récit, on distingue notamment le conte et ses particularités, la nouvelle, qu'elle soit réaliste ou fantastique, et également des récits de fiction qui vont de l'utopie en passant par la dystopie, la contre-utopie, l'uchronie et la science-fiction. Chacun de ces récits a des caractéristiques particulières qui permettent de les distinguer les uns des autres. Par exemple, si on prend le conte, on sait qu'il y a une formule initiale, il était une fois, qu'il y a un schéma narratif préétabli, que le conte a une valeur morale et éducative. La nouvelle, vous savez que c'est un texte bref, avec peu de personnages, centré sur une action, dans un cadre spatio-temporel très réduit, qui se termine parfois par une chute. Pour les récits de fiction, vous avez souvent travaillé sur l'utopie et la dystopie, ainsi que sur les récits de science-fiction. Concernant les types de romans, donc on distingue le roman policier, Sir Arthur Conan Doyle, je ne l'ai pas mis dans les auteurs, dans la partie sur la culture littéraire, mais c'est le créateur du fameux Sherlock Holmes, donc pour les romans policiers. Le roman d'aventure, que ce soit chez Jules Verne ou encore chez Stevenson avec L'île au trésor, le roman réaliste, Balzac par exemple, ou encore l'autobiographie. Donc là, c'est l'auteur qui est à la fois le personnage et le narrateur de sa propre histoire. Donc ça, ce sont des types de romans avec des caractéristiques précises qui permettent de les différencier. Autre genre littéraire, la poésie. Donc la poésie qui nécessite d'avoir des connaissances techniques en versification, parce que vous avez des types de poèmes réguliers, comme le sonnet, l'ode, la ballade, dont il faut connaître la forme. À côté de cela, vous avez des poèmes en vers libre, par exemple les poètes de la Résistance, on a vu qu'ils utilisaient beaucoup un vers libre. Vous avez également le haïku, sur lequel on travaille souvent en sixième, petit poème japonais de 3 vers avec 17 syllabes. Vous travaillerez en seconde sur la poésie en prose, donc qui n'a pas l'allure de la poésie, mais qui, par un travail sur les sonorités, ressemble à un texte poétique. Parmi les formes poétiques, on distingue également le calligramme, on a parlé de ceux d'Apollinaire. La fable fait aussi partie du genre poétique, avec ses règles et ses caractéristiques. Donc on sait qu'on en a un récit, pas forcément avec des animaux, même si c'est souvent le cas. Ce récit s'accompagne d'une morale explicite ou implicite. Enfin, le théâtre et ses différents genres, donc la comédie, avec des personnages d'une classe sociale relativement moyenne, des bourgeois, dont le dénouement est heureux, donc ça se termine souvent par un mariage. À l'opposé, vous avez la tragédie avec ces personnages issus de hauts rangs sociaux qui ne peuvent échapper à leur destin et dont la fin est toujours synonyme de mort. Vous verrez également le drame au lycée et peut-être que vous reviendrez sur la tragicomédie comme celle de Corneille avec le Cid. Vous verrez que durant ces 4 années de collège, vous avez en fait commencé à travailler sur des mouvements littéraires. On va revenir sur vos connaissances sur ces mouvements littéraires. Si l'on regarde notre chronologie, vous voyez qu'il y a plusieurs mouvements littéraires qui apparaissent selon les siècles. Au XVIe, l'humanisme, la Pléiade. Au XVIIe, le baroque et le classicisme. Vous avez forcément travaillé, peut-être sans le savoir, sur le mouvement littéraire dit du classicisme, donc au XVIIe siècle, avec un rappel de ses principales caractéristiques. Donc c'est la recherche de l'équilibre et de la mesure, l'art est fondé sur la nature et sur la raison, une volonté de plaire et d'instruire, un recours à l'imitation des modèles antiques, donc on reprend des textes de l'Antiquité, et l'élaboration de nombreuses règles d'écriture. Pensez aux règles que l'on a pu étudier sur le théâtre, la règle des 3 unités, la règle de la bienséance, etc.
Parmi ces auteurs dits du classicisme, il y a Molière, il y a Racine, il y a La Fontaine, Charles Perrault, etc. Au XVIIIe siècle, le mouvement littéraire, c'est le mouvement des Lumières, qui est lié au mouvement des philosophes de l'encyclopédie. Ses caractéristiques sont les suivantes. On valorise les sciences et le raisonnement scientifique. On considère que la raison est une faculté supérieure de l'homme. On lutte contre l'ignorance et les préjugés. C'est un siècle d'ouverture, c'est un siècle de la tolérance. Et on critique les institutions. Parmi les auteurs des Lumières, vous retrouvez Montesquieu et ses lettres persanes, Voltaire avec Candide, ou encore Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions et d'autres textes. Le 19e siècle, en tout cas la première partie du 19e siècle, voit l'apparition d'un mouvement littéraire nouveau qui est le romantisme, qui se caractérise comme un mouvement en réaction, donc en opposition au classicisme d'une part et d'une autre part en opposition au rationalisme des philosophes des Lumières. Dans le romantisme, on a une exaltation des passions et on est centré sur le « moi ». L'auteur romantique recherche l'harmonie au sein de la nature. On peut dire que par certains aspects, certaines œuvres de Victor Hugo relèvent du romantisme et vous étudierez d'autres auteurs romantiques au lycée. Toujours au XIXe siècle, un mouvement littéraire qui a été beaucoup travaillé, c'est celui du réalisme et après du naturalisme. Donc le réalisme et le naturalisme ont pour caractéristique de décrire des milieux sociaux dans leur pure réalité, donc même en en montrant les aspects les plus négatifs. L'explication des relations qui peuvent exister entre l'individu et le milieu dans lequel il vit. Le naturalisme va pousser le réalisme encore plus loin et concevoir l'art comme une science exacte. Et enfin, le réalisme, comme le naturalisme, dénonce également des phénomènes comme la misère. Relève du réalisme, bien sûr, certaines nouvelles de Guy de Maupassant, mais aussi Balzac, des romans de Flaubert, et puis le maître incontesté en France du naturalisme, et bien sûr, Émile Zola. Nous arrivons au XXe siècle. Avec, on va classer ça comme un mouvement littéraire, on va l'appeler le mouvement de l'engagement. En fait, c'est un mouvement dans lequel les auteurs prennent position dans les débats de société et les conflits politiques de leur époque. Bien sûr, on pense à la Première Guerre mondiale et à la Seconde. Ces auteurs proposent une réflexion sur la réalité politique, historique et sociale de leur époque. Vous pourrez classer dans ce mouvement littéraire tous les auteurs dits de la Résistance, Louis Aragon, Desnos, etc. Mais aussi, vous découvrirez d'autres écrivains, parmi eux Jean-Paul Sartre, qui est un écrivain dit engagé au XXe siècle. Enfin, vous avez peut-être entendu parler d'un mouvement littéraire assez particulier qui s'intitule l'Oulipo. Oulipo, ça veut dire « ouvroir de littérature potentielle ». Dans ce mouvement, on retrouve des écrivains comme Raymond Queneau et Georges Perec. Ce mouvement se caractérise par une importance liée à la contrainte en littérature, avec l'invention de nouvelles formes, des jeux de création pour renouveler totalement la littérature, donc en faire un exercice de style. N'oubliez pas que pendant ces 4 années de collège, vous avez régulièrement complété le carnet de lecture, parfois appelé carnet d'art. Conservez-le, n'hésitez pas à le feuilleter, c'est la mémoire vivante de vos lectures durant ces 4 années de collège. Vous ne pouvez pas arriver en classe de seconde en prétextant que vous n'avez jamais rien lu, ça n'est pas vrai. La littérature ne suffit pas, la lecture ne suffit pas, il faut en effet aussi connaître certains procédés d'écriture. Je ne vais pas pouvoir tout reprendre, donc vous avez une vignette qui va vous expliquer ce qu'il est nécessaire de savoir pour être armé, pour comprendre et travailler sur des textes au lycée.
Bien sûr, être capable de savoir comment se construit un texte, que ce soit un texte narratif, donc connaître le schéma narratif, ou que ce soit une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre a aussi une composition particulière, avec une scène d'exposition, un nœud, un dénouement, etc. Comprendre qu'un texte est forcément construit, qu'il peut y avoir des effets d'écho ou des différences entre un début et la fin. Vous devez être capable de repérer les thèmes développés dans un texte. Vous devez maîtriser tout ce qui est lié à l'énonciation, c'est-à-dire être capable de repérer les pronoms personnels de première et de deuxième personne, les indicateurs de temps, de lieu, les modalisateurs qui permettent de modaliser l'expression du jugement, savoir donc qui parle, à qui, où et quand, dans quel but. Connaître les registres littéraires, c'est-à-dire quelle est la visée du texte, la question que vous n'aimiez souvent pas, qui était quelle est la visée du texte, quels sont les effets produits par l'écriture. Donc essayez de revoir, donc vous ne les connaissez pas tous, mais ce qu'on appelle les registres, le registre lyrique, vous le connaissez, c'est celui d'expression du moi, le registre comique, satirique, réaliste, fantastique, etc. Au niveau du vocabulaire, être capable de repérer un champ lexical, être capable de donner les connotations d'un mot, connotation améliorative ou péjorative, ou est-ce que le mot est neutre, être capable de parler de la formation d'un mot, de la composition du mot, connaître le sens propre, le sens figuré, etc. Au niveau de la syntaxe, vous devez maîtriser les types de phrases, ainsi que les formes de phrases, pouvoir parler des différentes propositions, des phrases simples, complexes, des phrases verbales, des phrases non verbales. Là, on est plus sur de la grammaire, j'y reviendrai après. Vous devez connaître les formes propres aux différents genres littéraires, donc que ce soit, c'est-à-dire en fait tout le vocabulaire d'analyse qui permet de comprendre un texte qui appartient à un genre littéraire particulier. Pour la poésie, il faut maîtriser tout ce qui est lié à la versification, les vers, les strophes, les rimes, etc. Pour le roman, il faut connaître les notions de point de vue, les paroles rapportées. Pour le théâtre, il faut connaître le vocabulaire qui est lié à l'étude du texte théâtral, monologue, dialogue, réplique, tirade, didascalie, aparté. Pour l'argumentation, connaître les notions d'implicite, d'explicite. Et enfin, que ce soit dans la poésie, dans le roman, dans le théâtre ou dans l'argumentation, vous devez connaître les figures de style. Revenons justement sur les différentes figures de style qui doivent être acquises en cette fin de troisième. Comparaison, métaphore, personnification, allégorie, oxymore, antithèse, antiphrase, périphrase, métonymie, litote, euphémisme, hyperbole, énumération, accumulation, gradation, anaphore, parallélisme, chiasme, allitération et assonance ne doivent pas vous être inconnus. Si vous avez des difficultés, il y a une autre vidéo sur la chaîne YouTube que vous pouvez vous repasser en boucle pour enfin maîtriser ces fameuses figures de style. C'est extrêmement important pour pouvoir réussir en français en classe de seconde. Vous pensiez peut-être que vous étiez définitivement débarrassé de la grammaire et de l'orthographe. Eh bien non, au lycée, il y a des cours dédiés à l'étude de la langue. Donc je vous conseille très vivement de revoir certaines notions de langue. Les classes grammaticales doivent être maîtrisées. Donc connaître les différentes catégories de mots variables, le déterminant, le nom, le verbe, le pronom, l'adjectif. Connaître également toutes les catégories de mots invariables, la préposition, l'interjection, l'onomatopée, les conjonctions, les adverbes. Les fonctions. Donc le rôle joué par les mots au sein des différentes phrases doivent aussi être connus. Vous avez là un récapitulatif des différentes fonctions à connaître, la fonction sujet, la fonction complément du nom, le COD, le COI, le complément circonstanciel, l'épithète et l'attribut. Enfin, les notions de proposition sont censées être acquises dans la phrase simple comme dans la phrase complexe. Même chose, vous avez une vidéo à votre disposition sur la chaîne YouTube pour réviser tout ça.
Donc je rappelle néanmoins qu'il existe des propositions dites indépendantes, les propositions coordonnées et les propositions juxtaposées, qu'on les oppose aux propositions subordonnées, qui, elles, commencent par une conjonction de subordination. Parmi les subordonnées, vous devez être capable de repérer la proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée interrogative indirecte, la proposition conjonctive, ainsi que les propositions circonstancielles. Enfin, concernant la conjugaison, les notions de mode et de temps sont acquises. Donc les modes permettent d'envisager l'action donnée par le verbe. Les temps permettent de situer l'action donnée par le verbe dans une chronologie. Je vous rappelle qu'on classe les modes suivant s'ils sont personnels, ils se conjuguent avec des pronoms personnels ou ont des terminaisons qui indiquent la personne. Donc on les distingue, ces modes personnels, des modes impersonnels. Dans les modes personnels, vous devez donc les connaître au niveau de la conjugaison et les connaître pour comprendre à quoi ils servent. Je vous rappelle que l'indicatif, c'est le mode du réel. L'action donnée par le verbe est considérée dans sa réalité. Elle va, elle se réalisera ou elle s'est déjà réalisée. L'impératif, au contraire, est le mode de l'ordre, du commandement, de la défense, de la prière, du conseil. Le conditionnel est le mode de la condition. Si j'avais, j'aurais, conditionnel. De l'hypothèse ou encore de l'imaginaire, de l'irréel. Enfin, le subjonctif, il faut que, est le mode du doute, du désir, de la volonté, de l'hypothétique. Pour les modes impersonnels, c'est beaucoup plus simple. Vous avez le mode infinitif et le mode participe. Concernant la notion de temps, donc il faut bien comprendre que le temps, certes, est une façon de conjuguer le verbe, mais permet aussi de comprendre dans quelle chronologie on va placer ce verbe. D'où l'importance du petit schéma qui vous est présenté, que vous devez maîtriser, avec les différents temps suivant cet axe chronologique. On vous rappelle que les temps de la conjugaison se distinguent suivant si ce sont des temps simples, avec uniquement le verbe, ou des temps composés, avec l'auxiliaire avoir ou être suivi du participe passé. Et vous devez enfin maîtriser les valeurs d'emploi de certains temps, notamment toutes les valeurs d'emploi du présent de l'indicatif, donc le présent d'énonciation, le présent de vérité générale, le présent de narration, le présent d'habitude, le présent de description, le présent à valeur de passé ou de futur proche. Même chose, les valeurs d'emploi de l'imparfait et du passé simple sont acquises quand on arrive en seconde. Je rappelle que l'imparfait, c'est pour les actions d'arrière-plan, de second plan, par opposition au passé simple pour les actions de premier plan, que l'imparfait sert aussi à l'habitude ou à la répétition, à la description, aux actions non délimitées ou encore aux actions simultanées. Par opposition, le passé simple permet d'évoquer des actions de premier plan, des actions importantes ou des actions soudaines, des actions qui sont bien limitées dans le temps, on connaît le début et la fin, ou encore des actions qui se suivent. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur toutes ces notions de langue dans la mesure où, au bac de français, à l'oral, une question de langue vous sera posée. Donc commencez à vous prémunir d'ores et déjà. S'il y a des lacunes, des difficultés, il va falloir les pallier. Nous terminons cette vidéo avec un très rapide aperçu du programme de seconde. Donc que fait-on, qu'étudie-t-on en seconde ? Eh bien, la même chose qu'au collège, mais de manière beaucoup plus poussée et approfondie, donc avec des textes beaucoup plus littéraires, on va dire, même si ça ne veut pas dire que vous n'avez pas lu de textes littéraires dans les classes précédentes, mais en tout cas, ces textes seront d'un abord un peu plus difficile. Donc des textes de différents genres, bien entendu, que ce soit des romans, des pièces de théâtre, des recueils poétiques. Vous aurez également des cours de langue, donc d'études de la langue,
On étudie donc en classe de seconde des textes poétiques, des recueils de poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, également des pièces de théâtre du XVIIe, textes classiques, au XXIe, donc textes plus contemporains, textes écrits par des dramaturges de notre époque encore vivants. Vous lirez également et vous étudierez des romans et des récits qui se situeront soit au XVIIIe siècle, soit au XIXe, soit au XXe, soit encore de nos jours. Et enfin, vous allez travailler sur la littérature d'idées et la presse. Donc la littérature d'idées, c'est la littérature, on va dire, argumentative du XIXe, du XXe siècle et également contemporaine. L'enseignement du français en classe de seconde n'est pas plus difficile qu'en classe de troisième, même si vous allez découvrir de nouvelles techniques, vous allez apprendre notamment à rédiger un commentaire composé, vous allez également passer du sujet de réflexion à ce qu'on appelle réellement une dissertation, et puis la difficulté est que vous avez cette année de seconde qui vous mènera en première et aux épreuves anticipées du baccalauréat de français. Je vous souhaite de tout cœur de réussir cette année de seconde.